Ah bah bravo, bravo. Pendant que j'étais en train de me dire que si ils avancent les vacances de Noël pour les gosses, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit de boire du vin chaud à 15h, qu'est-ce que j'apprends? Monopoly lance une édition Tarn. Enfin, Tar, le Tar. Chez eux, ils disent le Tar. Ils prononcent pas les N. Donc du coup, c'est un mot-o-poli. Ni haine, ni violence. J'ai hâte d'y jouer à l'apéro en bouffant des respunchous avec un verre de Gaillac à l'ail. Il y avait une édition Ariège aussi. Mais bon, pour le recevoir, il fallait envoyer un mail. Pour la version du Tarn, Monopoly, ils ont fait des pions en plomb. C'est pour éviter qu'ils s'envolent. Ah bah si, si il y a du vent dans le Tarn. Ah bah, si tu vas dans le Tarn et qu'il n'y a pas de vent, c'est que t'es en Aveyron. J'ai pas vu à quoi il ressemblait, mais j'imagine que la casse-prison, c'est Mazamet. Vous saviez qu'il y a encore un Fabio Lucci à Mazamet? Ah bah c'est le dernier en France. Il paraît qu'à Mazamet, on peut encore acheter des raiders et des tangs aux mammouths. Non mais attention, hein, la mode c'est un cycle, hein. Ah bah dans 10 ans, Mazamet, ce sera peut-être Dubaï. Carte chance. Vous êtes joueur titulaire à Albi, bravo, vous avez gagné un poste de remplaçant à Castres. À Albi, ils ont quand même le championnat du monde depuis le moche, hein. C'était ce week-end. Pareil que Michel Houellebecq, il est passé juste pour boire un verre à la buvette, il a gagné. Alors qu'il était même pas inscrit. À mon avis, pour la rue de la Paix, ils ont dû mettre le quartier de la Maldrerie. C'est un peu notre Balma à nous. La devise, c'est « Le Tarn vous veut du bien ». C'est chaud, le Tarn. Sexe, Lacône. Elles sont profondes, les gorges du Tarn. Sur le Monopoly, une case sur deux, c'est un club échangiste. Hein. Le Rouge et le Noir, le S-Club, le Hot Club, la Bougnette en folie. Ah bah dans le Tarn, il y a plus de clubs échangistes que de gens qui ont encore le permis. Un Tarnais qui a encore ses 12 points. Soit c'est un mytho, soit il roule en sanglier. Il y a une case Brassac. Ah moi, je dirais pas du mal le Brassac. Hein. Non, parce que les mecs de Live Tarn, ils m'ont offert un foulard. Et un Tarnais qui t'offre un cadeau, c'est comme un mec qui arrive à se baigner dans le Dadou à Groyer sans perdre un ongle ou se déchausser les dents. C'est rare. À l'autre est que le jeu, ils l'ont sur l'application mobile, sur leur iPhone. Que ce qu'ils font de l'ail à Lautrec. Ah oui, si t'as pas la ref, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vampires dans le Tarn. Par contre, il y a des cases où il vaut mieux pas s'arrêter, comme la case Lavore. Bah là-bas, ils ont quand même un hôpital psychiatrique et une prison pour mineurs. Il paraît que c'est là-bas que sont tournées la plupart des fêtes entre l'accusé. Je charrie, mais enfin, super beau département. Et très belle idée cadeau que ce Monopoly. Je dis ça pour les cadeaux du CE de Pierre Fabre. C'est une bonne alternative à la crème anti-rides à base de Fraissina. Ou sinon, autre idée cadeau, une place de spectacle pour aller voir Toulousain 2 au Studio 55 ou Toulousain, le jeu. Sinon, un cadeau utile, le calendrier des Andy Héros. C'est 12 mamans d'enfants en situation de handicap qui ont sorti ça. C'est hyper bien foutu, hyper coloré, plein de bons messages. Et là, c'est les étoiles de Camille et Pauline, l'asso dont je suis parent. Sur ce, vive le Tarn, on se retrouve lundi prochain. Enfin, s'ils n'ont pas avancé les vacances des gosses.